Silence, l'esclave. Faut pas rester là, monsieur. Il faut partir, hein. Allez. Quoi, c'est quoi le problème? Mais rien, mais vous devriez aller à la campagne. Là, les gens vont vous marcher dessus, monsieur. Mais t'es qui, toi, pour me parler sur ce ton? Allez, hop, dégage, ta gueule, hein. Hé, hey, rentre dans ton trou, le rat. Bon, ben, un petit problème. Oh, je vois, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un pauvre, il s'est installé là. J'ai essayé de l'enlever, mais c'est pas trop mon truc, vous savez. Il est pas agressif. Hein. Ouais, bon, laisse-moi faire. Ces gens-là, il faut savoir leur parler, c'est tout. Bonjour, monsieur. Christian Costa, président du syndic. Va te faire foutre. Oui, j'entends bien, mais là, vous ne pouvez pas rester, vous comprenez? Ah oui, non, pourquoi? Pourquoi? Oui. Parce que votre présence n'est pas du tout, mais alors pas du tout, en harmonie avec la façade de l'immeuble. Ah oui. Dis donc, bonhomme, le trottoir, il est à tout le monde, hein? Alors tu peux t'accrocher où je pense avant que je dégage, hein? Régis, là il faut que j'y aille, je suis pressé, je peux pas m'occuper de tout, alors tu règles le problème. Ah ben comme d'hab. Bon, Salut. Pas de petite pièce, non? Non. Salut Mehdi, ça va? Salut Régis. Ah, dis-moi, tu fais plus partie de la sélection, Chloé, elle t'a zappé, c'est ça? T'es à la rue? Non, rien de grave, je t'assure, je suis venu pour qu'on s'explique. Tu sais pas si elle est là? Ah si, si, elle est là-haut, tu peux monter, vas-y. Bon courage. C'est vrai. Ouais! Vas-y, je te chope un jour! Valentine, apporte la poire. C'est bon pour la mémoire. Allez. Vous êtes prêtes, les filles? Bon, alors, à vous, Solange. 1, 2, 3. La dame de trèfle. Ah, Solange, hein, il faut vous reprendre en main. Vous êtes trop grosse, c'est évident. Mais j'ai déjà perdu 1 kilo, tout de même. C'est pas assez. La suite. 1, 2, 3. Ah, la dame de trèfle, c'est l'argent. Je m'en touchais? Mais laissez-moi retourner la dernière carte. 1, 2, 3, valet de carreau. C'est une très mauvaise carte. Votre entourage profite de vos largesses. Mon fils, comptez sur moi, je vais lui serrer la vis. Bon, alors, à toi, Valentine. 1, 2, 3. Oh, il y a un homme à la porte. J'y vais. Mais non, pas cette porte-là. La porte de l'univers. Si tu veux connaître la volupté et l'extase, il faudra ouvrir ta porte à l'inconnu. Bon, alors vous me devez 15 euros chacune. Chloé, c'est moi. Salut. Bon, ben voilà, j'ai récupéré mes affaires. Ouais. Et tu comptes tout mettre dans ton sac à dos? Bah, je comptais pas tout prendre, hein. Y a pas urgence non plus. Chloé, tu penses pas qu'on devrait attendre avant de... Qu'est-ce qu'il fout là, ce gros naze? Ah, attends la vie. Je suis venu pour soutenir Chloé, l'aider à surmonter cette pénible épreuve provoquée par le naufrage de votre relation. Comment tu parles bien, putain? Mon cher Stéphane de Médeux, aurais-tu l'amabilité de nous laisser seuls, ma Dulcinée et moi, afin que nous parlâmes en tête à tête? Casse-toi! Mehdi, stop. Non, laisse, Chloé. Je comprends son dépit. Oui.
Je te phone later. Je te phone later. Hé, hey, je te fuck tout de suite, moi. C'est bon, ça. Décidément, t'as toujours 12 ans d'âge mental, toi. Hein. T'as l'air de m'aver, dis donc. Hein. En moins d'une semaine, tu m'as déjà trouvé un remplaçant. Ça va, pour moi aussi, c'est très pénible, toute cette histoire. Je te rappelle que si on en est là, c'est parce que je t'ai entendu parler avec une certaine nostalgie d'une de tes ex. Stéphane est un ami, c'est tout. C'est un ex. Ça peut pas être un ami. Un ex, c'est un charognard qui attend son heure pour s'emparer d'une proie faible et sans défense. Puis franchement, tant qu'à coucher avec un ex, couche avec moi. Alors ça, tu peux toujours t'accrocher. Dis donc, t'étais pas là pour ramasser toutes tes affaires, toi? C'est exactement ce que je vais faire. Tant mieux. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Bon, eh ben, j'ai tout. Je m'en vais. Attends, c'est tout ce que tu prends, là? Ta brosse à dents? Et ma mousse à raser. Et demain, je prendrai la télé et le lecteur DVD. Ah, je te signale que le lecteur DVD est encore à moi. Bon, eh ben, juste la télé, d'accord. Et le lecteur, tu vas le brancher où? J'ai commandé une télé écran plasma. Tant mieux pour toi, profites-en. Quelle taille l'écran? 80. Putain. Moi, je te dis que Georges Clooney est gay, mon pote. Et Ben Affleck aussi. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais ça se voit, Julien, écoute. La façon de s'habiller, de se coiffer, de marcher. Et puis cette virilité exacerbée, c'est louche. Ah d'accord, alors pour toi, tous les mecs qui sont un peu poilus et virils sont forcément gays, c'est ça? Non, pas Ben Artapi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai un collègue avocat qui vient voir le fond d'un soir. J'ai rien compris. J'ai un collègue avocat qui vient voir le match de foot à la maison demain soir. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu le dire. Ah d'accord. Donc nous, on va se farcir un match. Ouais. Écoute, il est hyper important pour moi ce mec au boulot. Hein? Alors pour lui faire croire que je suis hétéro, je lui ai dit que j'adorais le foot. Oui d'accord. Alors donc, on est dans un pays où si on n'aime pas le foot, on est automatiquement homo. Eh ben d'après les sondages, oui. En plus, moi j'y comprends rien. Tu vois, il va vite s'en rendre compte. Ah si! Ah si, ça, si, si. Il y a un truc que j'adore, c'est quand ils font tous la... Oh là là. Mais attends, c'est hyper simple. En plus, toi, c'est deux équipes avec un ballon. Hein. Alors, il y a le mec qui est dans la cage. Si il arrête la balle, il n'y a pas but. S'il laisse passer la balle, il y a but. Et là, ils sont super contents et ils se montent dessus. Oui. Donc, voilà. D'accord. Tu me prends carrément pour un débile. Julien, j'en peux plus que t'assumes pas le fait d'être gay. À chaque fois, tu m'emmènes dans tes galères. Attends, mon Rémi, nous, il y en a que pour 1h30. C'est pas la mer à boire. Parce qu'en plus, ça dure 1h30 un match de foot. J'y crois pas. Ah bah lui aussi il est gay, y'a qu'à voir ses fringues. Qui? Le chien de Lise Taylor. Ah oui. Gis, dépêche-toi. Et oh, déjà je te file un coup de main, mais ça va. Hein. On met ça où? Bah on dépose ça chez toi. Chez moi. Ah d'accord, et pourquoi? Parce que je vais dormir chez toi. Pas question de laisser ce type me piquer ma nana. Je vais dormir chez moi, d'accord. Je te préviens, j'ai qu'un lit. Eh ben on s'arrangera. Oh. Oui, oh, ça va, c'est bon. Bah, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Bah rien, Ouais, rien, rien. Juste sa meuf vient de le planter, donc je le récupère. Je le récupère. Ah, j'en étais sûre. Oh, bon, j'ai pas voulu vous en parler avant, parce que c'est absolument pas mon genre de me mêler de ce qui me regarde pas, mais j'ai bien vu qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Enfin bon, entre nous, maintenant je peux vous le dire, vous n'alliez pas du tout ensemble. Mais je suis désolée, hein, je suis désolée pour vous. Eh, je vous l'avais bien dit. Tout juste de moi. Mais oui, c'est pas étonnant. Une enfant gâtée comme ça, supporter un homme. Bon, eh, on va pas faire radio palier quand même. Au revoir, Madame Fouchard. Au revoir. Patrice, tu connais pas la dernière? Christian, la petite bourge de troisième a largué son mec. Tu pouvais pas la fermer, toi? Tu serais pas un petit peu concierge sur les bords? Ah non, monsieur, non. Gardien. Nuance. Allez, hop. Et pas de bordel à la maison, hein. Tu me files la main, tu sors les poubelles, on se partage l'étage, on fait un tableau. Ouais, lâche-moi, c'est bon. Tiens, les enfants, résumons le programme du week-end. Votre mère et moi allons à un mariage d'une cousine lointaine de maman dont, personnellement, j'ignorais l'existence. Affirmatif. Correct. Nous rentrons après-demain, Morgane. Ce qui veut dire que vous allez rester tout seul pendant 2 jours. Toujours affirmatif. Correct. Comme nous sommes des parents modernes, nous sommes disposés à vous faire confiance parce que nous sommes persuadés que Agnès y en restait. Oh, c'est pas possible, Christian. Mais écoute, on a acheté tous les cadeaux. Et pour une fois que je peux m'habiller chic. Et puis, c'est la cousine qui paie l'hôtel. N'oublie pas, c'est un 3 étoiles, je crois. Bon, les enfants, on peut vous faire confiance? Non, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Oh, allez, on y va, chérie, hop, hop, hop. Bon, et si on leur demandait qu'ils nous envoient une cassette du mariage, hein, parce qu'on va être encore installés dans la salle du fond, on connaît personne. Christian, tu m'énerves.
Allez, va faire chauffer le moteur. Bon week-end, mes chéris. Et soyez sages, hein. Ben alors, un bisou à maman. Allez. Salut, mon amour. Oui, tu passes pas des heures au téléphone, d'accord? Allez. Les enfants, vous fermez la porte. Mais je croyais que t'étais déjà dans la voiture, moi. Je peux pas y aller. Christian, si t'es sage, hein, je te ferai une petite gâterie sur l'autoroute. Au revoir, les enfants. Mon pauvre monsieur, vous avez dû être très malheureux dans votre vie. Oh oui, surtout quand on m'emmerde, hein. La paix, Valentine, tu vois bien qu'il a des problèmes. Eh ben, on va vous donner à manger chez nous. Ça y est, sœur Teresa passe à l'attaque. Ah, bon, Régis, nous, on y va, là, il est parti, SDF. On s'en occupe. Attendez, quel SDF? Un type, très drôle, hein, mais qui s'est installé devant l'immeuble. Oh, quelle horreur! Un pauvre devant chez nous, non mais c'est le pompon! Je sais bien, ma chérie. À la vôtre! À la vôtre, à Ken. C'est merveilleux de rendre un homme heureux. Heureux, tu parles. Avec un grand cru à 50 euros la bouteille. Mais justement, c'est ça qui est beau. Partager avec ceux qui n'ont rien. D'ailleurs, c'était dans mes cartes. Oui, hein. C'est ça. File-lui ton chéquier pendant que tu y es. Écoute, Maryse, on a la télévision, un magnétoscope, un frigo. Pourquoi on n'aurait pas un pauvre? Ouais. Et où on le branche? Oh. Alors, c'est bon? C'est pas mal, hein? Mm-hmm. Non? Et après ça, monsieur prendra autre chose. Un café d'addition. Ah non, j'ai pour rire. On va revenir ce soir? Mais bien sûr. Vous êtes ici chez vous. Oh, dites donc, Norbert, je voulais poser une question. Dans votre famille, vous êtes SDF de père en fils? Je rentre chez moi et je vois ce mec qui sort de la salle de bain. À poil ? Non, habillé quand même. Il est juste venu pour aider Chloé à surmonter l'épreuve de la rupture. Ouais. Vous voyez, bah, je sais ce qu'il veut, c'est coucher avec. Non. Mais si, il veut se la faire, je te dis. Mais si, merde ! Ah oui, t'as raison, ouais, mais attends, j'en connais d'autres qui aimeraient bien se la taper, ta Chloé. Quoi ? Non, attends, moi, ce que j'ai dit, c'est que foutu pour foutu. Autant que ce soit l'un d'entre nous qui en profite, quoi, tu vois. Bah voyons. Et toi, Régis, t'as des projets aussi avec elle? Ah non, merci, non. Moi, je me suis déjà tapé ta voisine de palier, je vais quand même pas toutes vous les envoyer, Mélie. Hein? Ouais, mais... Oh, comment il se la pète? C'est super grave. Oh. Et en plus, il pue du bec. Oh la honte. Ouais, c'est moi. Pas du tout, c'est bécane. Non, mais c'est grave. Putain, la bécane. Il est vraiment venu pour te narguer, là. Là, c'est... Bah moi, je vais te dire un truc, Mehdi. Mais enfin, ça regarde que moi. Hein. Moi, un mec viendrait comme ça, sous mes yeux, pour me taper ma meuf, bah... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais arrête, toi. Bah ouais, c'est le phare. Tu vois, il en a pas besoin, ce phare, là. Regarde. Oh, arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes... Dégage. Oula. Hé, où est-ce que vous allez, là? Oh, putain, mais ça pèse une tonne, ce truc. Tu veux que je t'aide? Non, mais t'es complètement malade. Non, mais c'est pas moi. C'est des mecs qui voulaient récupérer les pièces. Et moi, je me suis interposé, mais ils se sont sauvés en courant. Moi, plus je te vois, plus j'ai envie de me sauver en courant. Attends, regarde, on va revoir l'action du but, tu veux? Ah, ok, d'accord. Regarde. Vas-y. Allez, prêt? Prêt. Un, deux, trois. Go! C'est nul. On n'y croit pas une seconde, là. Bah, écoute, moi, je trouve que je l'ai très bien fait.
Non, mais tu t'es vu. Tu t'es trémoussé comme une pom-pom girl, là. Oh, dis donc, Edouard, on dirait que tu défiles sur un char pendant la Gay Pride. Bon, allez, Rémi, on se concentre. Hein. Je me suis pas acheté le documentaire de la Coupe du Monde pour rien. Julien, quoi? Appelle ton collègue et annule. Moi, je sens que ça va être épouvantable. Mais non, regarde plutôt le match. Tiens, voilà, regarde, tu vois. Là, il y a eu faute. Donc, ils vont tirer un coup franc. Oh là là, mais pourquoi ils sont tous comme ça, se cacher les bijoux de famille, regarde. Ah ben justement, tu vois, ils se collent les uns aux autres pour former un mur. Ah, oh, mais c'est dégueulasse, regarde ce qu'il fait. Il fait comme ça et ça va directement par terre, les dents. Attends, tu crois qu'ils ont le temps de sortir un mouchoir en papier? Aucun savoir-vivre. Tiens, puis il faudra aussi apprendre le nom des joueurs. Tiens, regarde-le, tu vois celui-là, là-bas, qui court, là. Ouais. Là, voilà, ça, c'est Emmanuel Petit. Le grand noir? Non, non, le blond, là-bas. Ah, il est pas mal. Oui, alors ça, tu vois, c'est le genre de commentaire qu'il faudra absolument éviter demain. Ah bon? Ah oui. Mais de quoi on va parler, alors? Ben regarde, concentre-toi plutôt sur le placement des joueurs sur le terrain. Non. Tiens, tu vois ça? Voilà, ça, c'est une stratégie en 4-4-2. Moi, je pense à leur placer, celle-là. Qu'est-ce que tu fais, là? J'essaie de roter. Ils font tout ça dans les bars. Ils boivent, ils crient et ils rotent. Ah bah attends, on en fait pas trop, quand même. Oh, t'as entendu? Ah oui. T'as entendu ça? Ah bah oui. Oh, dis donc, c'est vachement bien. Qu'est-ce que je rote bien? Ouais, ça en jette, non? Mmh. Ça, c'est un vrai rôle d'hétéro. Mmh. Oh, on va se marrer. Mmh. Ça va être bien. Voilà, mes minous. Valentine vous a préparé un bon petit canard. Ça sent bon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Norbert qui dîne avec son copain. Tiens, comme vous êtes debout, vous pouvez me ramener de l'eau dans la carafe? Avec des glaçons, parce qu'elle est tiède. Non, mais tu bois plus, toi. Valentine, aide-moi de dire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais que font ces étrangers? Mais, chez nous. Mais Marie, c'est pas des étrangers, c'est Norbert et son copain. Salut. Salut. Parce que Norbert est un vieux copain à toi? Ben, tu te souviens pas? Il a déjeuné avec nous à midi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ouais, j'ai vu qu'il y avait des cartes, on pourrait faire une petite belote. Oh, alors, pour la belote, les gars, je suis votre homme. Mais il faut... Hein? Allez, ben, on pourrait peut-être regarder la télé. J'ai vu qu'il repassait le docteur Givaro. Ils arrivent. Et il l'a sorti en décapotable. C'était la caisse, hein? Quel bâtard. Et il s'emmerde pas, le mec, hein? Là, mon vieux, il faut vraiment que tu réagisses. On lui arrache la capote, hein, ou on lui crève les roues d'abord, en fait. Lily, si tu laisses rentrer ce mec avec ta meuf, c'est mort. Voilà. Merci beaucoup pour le dîner. Moi, ça m'a fait du bien de m'aérer un peu. J'espère que je t'ai pas trop saoulée avec mes états d'âme. Toi? C'est ta présence qui m'enivre, Chloé. Ah, c'est gentil. Mais enfin, je pense encore à Mehdi. Je me demande si c'est pas une erreur, cette rupture. Nathan, c'est une chance pour toi. Ce garçon est un irresponsable, un raté, un minable. Regarde dans quel quartier te fait vivre. Chloé. Ils entrent dans le hall. À demain. Espèce d'enfoiré, je vais le massacrer. Tu m'appelles? Ok, je t'appelle demain. On se fera une balade à cheval ou un tour d'hélico, si tu préfères. Je crois pas à ce rythme-là. La semaine prochaine, il lui propose la navette spatiale, hein. Alors? Vous avez vu, les gars? Elle est toujours aussi dingue de moi, hein. Jusqu'à demain, Mehdi, hein. Jusqu'à demain. Mais t'inquiète, je te file un coup de main pour la récupérer. Oui, c'est Fredo. Ouais, ça va, ouais. J'aurais besoin de toi. Non, non, pas le gâteau. Plutôt un tournesol. Bonjour, ma chère Chloé. C'est Mehdi qui m'envoie pour vous dire que vous êtes son hirondelle, sa petite fraise des bois, son cabri sauvage, sa banane flambée, son île flottante, sa cerise sur le gâteau, son doudou et même son roudoudou, sa larme au coin de l'œil, sa poule faisane, son coq de bruyère, sa plante grasse, aïe, ou son corps au pied, son œil de perdrix, sa bougie dans le noir, sa canne blanche, son joint de culasse, sa flûte de pan, son slip kangourou. En bref, il vous aime et il veut revenir à la maison. Voilà. Ah non, je travaille, non. Tiens,
Tiens, regarde, tu seras quand même mieux ici que dans la loge de Régis, non? En plus, mes parents sont pas là. Bon, bah d'accord, mais je dormirai sur le divan, alors. Bah non, j'ai un lit pour toi, quand même. Quel lit? Celui de mes parents. Non, ça, je pourrais pas, ça. Bah pourquoi tu peux pas dormir dans leur lit? Bon, d'accord, ils sont un peu beaux, mais c'est pas contagieux. Bon, bah d'accord. Tiens, regardez qui vient nous rendre visite. Eh, tu devais pas sortir, toi? Oui, bah ça va, on a un invité quand même, ce serait pas poli de le laisser tout seul. Bon, bah je vais me coucher, il faut que je me lève tôt demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Arrête, Morgane, il y a déjà assez d'ennuis comme ça. Mais j'ai rien fait, là. Attends, tu me la fais pas, s'il te plaît, je suis pas comme papa. Et va te coucher, d'accord? Morgane, dans ton lit! Maman, c'est moi! Ah, où étais-tu? Oh, ben j'étais chez le garagiste récupérer la voiture. Je te dis pas la facture, hein? Ah, ben ne compte pas sur moi pour donner un sou! Il va y avoir des restrictions ici. J'ai déjà commencé. J'ai téléphoné aux gens du câble et j'ai résilié l'abonnement. Quoi? Ben oui, ça fera des économies. Et puis ta fille, elle passe son temps devant la télé. Mais oui, mais moi aussi, je l'ai regardé la télé, maman. C'est même pour ça que j'avais pris l'abonnement. Hier, je l'ai surprise en train de regarder un documentaire sur la sexualité des babouins. Oh, mais les babouins, c'est la nature, ça, maman. Et puis tu dis toujours qu'elle s'intéresse à rien. Mais c'est ce que je lui ai dit. Et puis, bah, sur Internet, j'ai vu bien pire. Hein. Et mon match de foot, je vais le voir où, demain soir? Mehdi. Non mais t'es folle ou quoi toi? Oh, ça va, c'est la première fois que j'ai un homme libre dans le lit de mes parents. Et si on joue au papa et à la maman? Non, je m'en vais. Oh ça va, je déconne. Je voulais te parler. Tu sais ta stratégie pour reconquérir Chloé? Bah elle est complètement naze. Tu veux la récupérer? Eh ben il faut que tu l'ignores. Ouais mais si je l'ignore, elle va penser que j'ai pas besoin d'elle. Mais c'est exactement ça. Ah oui? Ah ben je comprends pas. En fait, il faudrait lui faire croire que tu sors avec une autre fille. Et de préférence, plus jolie et plus jeune qu'elle. Ah oui? Bon. Allez, dors bien. Et puis, si t'as un petit coup de blues, papa, n'hésite pas à venir gratter à ma porte. Je fume pas ici, messieurs. Merde! Quelle merde elle nous a foutu, oh. C'est bientôt votre tour, les gars! Ah, non! Une minute! Ah, oui, monsieur Costa? Oui, je sais, vous êtes au mariage de la cousine de votre femme, oui. Ah non, mais là, il y a vraiment urgence. Hey, tu pourrais me passer ton portable, je voudrais appeler ma mère. Ta mère? Mais non, pas la vôtre, la sienne. Oui, non, il y a vraiment urgence, monsieur Costa. Il y a une invasion de SDF dans l'immeuble. Il y a combien de SDF exactement? Mais. Comment voulez-vous que je sache, moi? Non, s'il vous plaît. Non, ils arrivent de partout, monsieur Costa. Oui, on dirait la nuit des morts-vivants, là. Voilà, alors, n'importe quoi. Ah, ouais, ça a l'air grave, là. Je peux vraiment pas te laisser seul, hein. Mais il faut revenir, monsieur Costa. Hein. Quoi? Ne laissez pas. C'est pas possible, hein, Christian. T'as vraiment pas le sens de l'orientation. Mais t'es pire qu'une bonne femme. Attends. Christian, fais quelque chose. Tu te montres le chemin à quelqu'un. À qui? On est dans le Bronx. Là, je... Non, Régis, maintenant tu dis à Valentine qu'il faut qu'elle arrête de les nourrir. Allô? Madame Costa, oui, c'est Solange Fouchard, oui, votre voisine. Je ne voudrais pas vous inquiéter ni vous gâcher la noce, mais je tiens à vous informer que votre fille a couché chez vous avec le petit jeune homme du troisième. Mais vous racontez n'importe quoi, là! Mais vous n'en avez pas marre d'inventer des saloperies pour faire du mal aux gens? Écoutez, moi je disais ça pour vous informer, c'est tout. En tout cas, je tiens à vous dire qu'actuellement, ils sont en train de prendre leur petit déjeuner en amoureux. Eh bien, vous en faites ce que vous voulez.
Eh ben, ça y est, rabattu le caquet à celle-là, tiens. Christian, Morgan a couché avec le voisin du troisième. Super. Quoi? Sous notre propre toit, Christian. Il l'a défloré sous notre propre toit. Mais le mariage... Je m'en tamponne le coquillard, on rentre. Je veux voir ma petite fille. Mais quel bordel! J'ai pas besoin d'elle. Tout est fini. Je sors avec quelqu'un d'autre. Tu parles, mais me croiras jamais. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher mon réveil matin Teddy l'ourson. Je suis pressé. Attends, Mehdi. Je voulais te remercier pour les fleurs, ça m'a fait hyper plaisir. Ah. Et puis, en plus, c'était très original. Je crois qu'il faudrait qu'on parle tous les deux, non? Non, mais je sais ce que tu vas me dire. T'inquiète pas, je t'embêterai plus. Non. Mehdi? Non, Mehdi, en fait, c'est pas ce que tu crois. Enfin, je... Voilà, je pense qu'on ferait mieux de... On ferait mieux d'oublier notre histoire? Je suis d'accord. Toi, tu sors avec cette grosse enflure de Stéphane. Non, mais ça me va très bien, hein? Non mais attends, je sors avec personne, je crois simplement... Non, mais ne te fatigue pas. Moi aussi, je sors avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Ah, avec une très jolie fille. Et alors? Mais alors, ça se passe, mais super bien. Ah. Non, c'est bien tenté, mais j'y crois pas du tout. Allez. Salut. Est-ce que ça m'a paru long, 5 minutes sans toi? Tu peux même pas imaginer. Ça m'a semblé une éternité. Bon, bah, on y va. Ah ouais. Qu'est-ce que peut bien faire Mehdi avec une gamine de 17 ans? Mais tu veux vraiment que je t'explique ce qu'il fait avec elle? Mais attends, mais c'est des petites vicieuses à cet âge-là. Moi, à 17 ans, je couchais avec mon prof de gym. Ah bah t'aurais mieux fait de coucher avec ton prof de maths, au moins t'aurais eu ton bac. Et en plus, Radio Palier a annoncé qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Mais si c'est Radio Palier qui le dit... Quand je pense que j'ai failli lui pardonner. Tant heureusement que Stéphane est là pour m'aider à surmonter cette épreuve. Il fait comment pour t'aider? Il te prête son épaule pour pleurer ou il te propose quelque chose de plus rigide? Mais ça va, il n'y a pas que le cul dans la vie, hein? Ah bon? Non mais arrête de faire ta vierge effarouchée. Stéphane, il a qu'une envie, c'est de te remettre dans son puits, tu le sais très bien. Vous êtes mais totalement obsédée. Je sors avec lui ce soir, il se passera rien. Ouais. Bon, ça va, et même s'il se passe quelque chose ce soir avec lui, eh ben, je suis libre et je fais ce que je veux. Ouais. Sauf que t'es folle amoureuse de Mehdi. Non, moi, je suis amoureuse de Mehdi. Espèce de pervers qui fait la sortie des écoles. Eh ben, c'est pas gagné. Alors, il faut qu'on trouve une solution pour réconcilier Chloé et Mehdi, c'est ça? Je peux appeler notre pote à moi, il est cracheur de feu, il pourrait faire... Non, c'est bon, toi, avec tes plans pourris, on a déjà donné... Mais je peux organiser un anniversaire chez moi et on les invite tous les deux. L'anniversaire de qui? Mais le tien, Babette, je te rappelle que t'as 30 ans dans un mois, on avance un peu la date. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de son ex? Parce qu'elle a rendez-vous avec lui ce soir. Non, mais c'est bon, son ex, je m'en charge. Vous m'écoutez, là, hein? Moi, cette année, je veux pas fêter mon anniversaire. Je veux pas avoir 30 ans et encore moins en avance. Babette. Une bonne nuit de torride, toi et moi, pour ton anniversaire, hein, samedi. Toi, tu m'approches pas. Hein? C'est dingue, hein? Toi, tu t'es méchant, tu t'excites. Arrête. Hein? Laissez-moi passer! Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Dans la famille dépravée, voilà le père et la mère. Alors, enfin, voilà! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On dirait l'entrée du Parc des Princes. Oh, Christian, un immeuble de ce standing, mais quel gâchis.
C'est une honte, Régis. Je suis obligée de piétiner des hommes pour sortir. Pour une fois que c'est vous qui leur passez dessus, hein. Alors, finis de rigoler, là. Hein, alors, je vais remettre un peu d'ordre dans tout ça, là. Vas-y, mon doudou. Pardon. Voilà. Voilà. Pardon. À la queue, comme tout le monde. Oui, alors je vais vous expliquer un truc. Je suis président du syndic de cette copropriété. C'est ça. Et moi, je suis le trésorier. Et tu restes à ta place. Mais Christian, aide-moi. Ils veulent pas me laisser passer. Si, deux minutes. Enfin, c'est insensé. Enfin, mon Dieu. Vous aurez de mes nouvelles, mon petit moulin, parce que moi, je dois voir Valentine. Tenez. Christian, oui, viens. Eh, hey, mémé, t'as pas fait les moules, hein, parce que j'aime pas les moules, moi. C'est merveilleux, hein. C'est admirable. Dans une heure, je veux plus voir personne. Mais comment, monsieur Costa, vous... les virez tous, là. À la limite, vous en gardez un, si vous préférez. Voilà. Ah oui, je garde Norbert, mon Norby. Hein? Christian, j'ai tout, faut qu'on y aille, et puis il faut parler à ta fille. Oh, le bordel, j'ai oublié celle-là. Régis, tu fais évacuer tout le monde. Ah, bah, merci, ça va être simple. Ça tombe bien, j'ai rien à foutre. Alors hey, les mecs, il y a un nouveau... Hey tournée générale. Ouais, 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 ouais. Mon calme. On a deux mots à dire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais tu oses poser la question? Morgane, est-ce que Mehdi a passé la nuit ici? Oui. Bon, qu'est-ce que t'as dit? Bah oui, tu me poses une question, je te réponds. Enfin, Morgane, maintenant tu es une adolescente, tu pourrais au moins essayer de mentir. Christian, c'est terrible. Quoi? Eh ben, notre lit est plein de poils. J'ai vérifié, c'est pas les tiens. Oh là là, il t'a drogué, c'est ça, hein? Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est que tout l'immeuble est au courant. Oui, ben ça va, calmez-vous. Y a pas de drame. Moi, j'ai dormi dans ma chambre, lui, il a dormi dans la vôtre. On n'a rien fait, parce qu'entre nous, votre lit, question érotisme... Ah oui, ça, c'est vrai. Mais c'est pas la question. Ah, Théo. Tu étais présent, alors dis-nous la vérité. Vas-y, c'est normal de moucharder entre frères et sœurs, alors balance, vas-y. Mais c'est moi qui ai invité Mehdi. Elle a dormi dans sa chambre comme d'habitude. Voilà. Bon, alors, comme nous sommes des parents modernes, car nous sommes des parents modernes... Et responsables. Oui, aussi. Voilà, nous allons vous faire confiance. D'ailleurs, vous êtes consignés tous les deux dans votre chambre, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Ah, mais je rêve! Non, mais ils t'ont pas écouté, ils sont sortis, là, Christian. Non, ils sont... Oui, enfin, oui, ils sont sortis, peut-être. Mais ils savent qu'ils ont pas la conscience tranquille. D'ailleurs, toi aussi, t'es consigné dans ta chambre. Julien, oui. J'ai préparé des blinis au saumon et des canapés aux chèvres frais. Je prépare les quilles? Non. Ah, du rosé, alors? Mais non, Rémi, de la bière. Oh. Quand les gens ils regardent un match de foot, ils boivent de la bière. D'accord. Excuse-moi, mais on range chez Milliardise et c'est plutôt, je sais pas, moi, un paquet de chips, tiens, voilà. Pour qu'il dégueulasse mon canapé? Allez, on y croit, Rémi, hein, vraiment, on y croit. Tiens, en plus, regarde, j'ai préparé quelques petites phrases de secours. C'est mon frère qui me les a filées, ok? Donc voilà, si t'es en panique, tu vois, tu peux dire... Tu vas le planter, ce but? Passe à l'aide, putain! Putain. Ah, ouais. Oh, shot, l'arbitre! Ouais. Touche, il y a touche. C'est quand... Tiens, corner. Ah, tiens, alors, je te les mets là. Tu vas le planter, ce but. Non. C'est... Ah oui, d'accord. Tu vas le planter, ce but. Touche, il y a touche. Passe à l'aile, putain, mais passe à l'aile. Attends, non, Rémi, tu peux pas dire tout d'un seul coup. Tu vois, ça dépend des phases de jeu. Tu... Ah, d'accord. Donc, tu vas la planter, cette touche. Mais vas-y, mais marque-le, ce corner. Vas-y, marque deux buts. Au chiotte, l'arbitre, au chiotte. Allez, allez, on se bat, hein. D'accord. Ah, Serge, l'affaire Le Tellier. Salut, Julien. Tu vas bien? Ça va, toi? Eh, ça va être chaud, ce soir. Oh, j'espère bien. Mais... Ah bah, Rémi, un vieux pote. Salut. Salut, mec, ça va? J'espère que vous avez soif, hein. J'ai apporté des munitions. Ah, on a bien, Rémi. J'espère qu'ils ont la patate ce soir, les petits gars. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai un problème avec ma télévision. Alors, je me dis, c'est peut-être pas votre truc, mais est-ce que par hasard, vous regarderiez le match ce soir? Nous? Ah, mais on en loupe un. La rentrée? Ben voilà, Serge, j'ai un collègue avocat. Et Rémi, que je présente plus. Hein.
Allez-y, installez-vous. Là, avec Patrice, ça se complique. D'accord. Donc ce soir, on est un couple d'hétéro fans de foot. D'accord. D'accord. Bon, Patrice, ce soir, on va déchirer la pelouse. Bon, hé, on suit toi. Ah ouais? Tout est prêt. Il manque plus que le gâteau. C'était le stress. Hein. Ah, j'ai le gâteau, mais je sais pas si on va réussir à faire tenir 30 bougies, tu vois. Ouais, même le gâteau fait la gueule. Bon, je vais me servir un truc à boire. Hé, oh, toi, tu souris, c'est ton anniversaire. Mais non, c'est pas mon anniversaire. Et oh, Babette, hein, y a pire. Si on avait fait un faux Noël, t'aurais fait la dinde. Vous le faites taire, lui, je vous en supplie, hein. Voilà notre débile de Stéphane, il est en train de se garer. Salut. Salut. En fait, j'ai pensé que ce serait plus sympa si on dînait ici en tête-à-tête. J'ai tout commandé chez un traiteur. Tu vas voir, c'est délicieux. Coucou, coucou, coucou. Désolée de vous déranger, hein, mais c'est l'anniversaire de Babette. On fait une petite fête à côté, donc si vous voulez passer boire un verre... C'est ton anniversaire, tu ne m'avais pas dit. J'avais complètement oublié. J'ai un petit peu fâchée avec les dates. Et elle a 30 ans quand même. Hein, et presque personne n'a répondu à son invitation. C'est pas sympa. Hein. Ben ouais. Puis je me rends compte que j'ai pas d'amis. Oh non, faut pas dire ça. Ça, c'est pas bien. Allez, nous, on va y aller. Ah, génial. Hein, Stéphane? Bien sûr, oui. Et notre dîner? Ah bah, on va demander au traiteur de faire livrer en face. Hé, hey. Hey. T'amènes ta bouteille, elle a une bonne tête. Ouais, à ce prix-là. Ouais. Ouais, Fred. Ouais, comment ça se passe en bas, là? Putain, j'en cours. Oui. Allô, Régis? Ouais. Écoute, on fait ce qu'on peut, mais y a pas moyen, ça déclenche pas ce truc. Oh, fais chier, ça marche pas. Il était pourtant bien, notre plan. Si ça se trouve, il n'y en a pas d'alarme, ce bouffon. Il est pas dans la merde. Super, on peut lui voler, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Si au moins je savais imiter la sirène, le ferais? Cloche, calme. Régis, t'attends? Mais c'est déclenché. Ouais, ouais. Bon, viens. Viens, regarde. Merde, c'est l'alarme de ma voiture. Je reviens tout de suite. Ok. Ah, c'est pas un quartier chic ici, hein. Oui, bah je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelqu'un? Oh, je suis bloqué dans l'ascenseur. Mais il est nul, ce mec. Va t'acheter un pied, tocard. C'est pas possible. Vous avez vu? Lui, c'est un pur et dur. Hein. Attends, ça fait des mois qu'il attend ce match. Vas-y, oui, vas-y, cours, petit, vas-y, cours. Allez, attaque. Attaque. Putain, mais mon dos, c'est dans le sol. Merde. C'est un vrai passionné, ouais, lui aussi, hein. Passionné. C'est pas mal, hein, leur stratégie 4-4-2. Non, non, c'est une 4-3-3 qu'ils ont adoptée avec un seul attaquant véritable. Mais je sais, c'était un test. On va voir si tu suivais le... Tiens, on a des serviettes ici, hein, quand même. Vas-y, mais avance, avance, mais tu toujours en pantoufle ou quoi? Tu vas le planter, ce but. Tu vas me le planter, ce but. Quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as me regardé comme ça? Bon, le foot, je le vis avec mes tripes. Ouais, calme-toi, c'est bon. Corner. Il lui a fait un corner. Ah oui. Mais oui, mais plante-le, ce but. Mais joue avec tes pieds. Joue avec tes deux pieds. Au choc, l'arbitre. Mais il mais est nul, cet arbitre. Mais c'est un péné, cet arbitre. C'est un péné, ouais. Voilà. Péné. Voilà. Péné. Ouais. Gros péné. Sinon, c'est dans combien de temps, là, la mi-temps? Hein? Oh. 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 Ouais, attends. Ouais. Péné. Oh!
suis un hooligan, moi. Ouais. Plein. Aïe. Souffle. Allez. Allez. Oh, mais bravo. Bravo. Et maintenant, les cadeaux. Non, il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de... Bon, on va manger le gâteau. Il a l'air super là, ouais. Je me demande ce que fait Stéphane. Moi, j'en veux pas parce que je suis au régime. Merci. Moi, j'ai déjà dîné, non, merci. En fait, t'es plus glauque qu'un épisode de Derrick. Oh, c'est vrai que c'est un drôle d'anniversaire. Enfin, au moins cette année, personne m'a offert de plus. Hein. Ah, il y a une surprise. Oh. Ah, salut. Oh, le cauchemar. Il paraît que t'adores les pluches. Bon anniversaire. Oh, merci, c'est gentil. Je veux savoir ce que tu fais là, toi. Et toi? C'est quoi, ce traquenard? Bon, bah, on vous a réunis parce qu'on trouve que vous vous êtes engueulés pour une connerie. Oui, si monsieur était pas aussi fier, hein. Elle sait pas mieux, hein. Elle sort avec un autre mec aussi. Hein. Oui, mais elle fait pas semblant de sortir avec une petite allumeuse de 17 ans. Hé, hey, t'insulte pas, ma soeur, ok? Non, mais de toute façon, vous, les mecs, vous êtes tous les mêmes. Hein, vous voulez la femme à la maison et puis les potes pour faire la fête, alors. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Non, mais attendez, voilà. La vie de couple, mais c'est pitié. Non, mais tu me mêles pas à ça. Mais tu me mêles pas à ça, rien à voir. Ça nous regarde pas, c'est leur problème. C'est à eux les régler. Quoi? Ils sont où? Bonne peine pour se réconcilier. Ça, c'est... Oh. Regarde, oui, voilà. Incroyable. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Oh, chiotte, l'arbitre! Mais ils auraient dû faire rentrer les remplaçants. Ils sont déjà rentrés, les oui. trois. Mais bah, oui. le grand bêtise, là. Il est sur le banc depuis le début. C'était l'entraîneur. Ah, il était beau, celui-là. Ah, oui, Et pour réussir maintenant ce qu'on arbitre. Voilà. Oh, mais déjà, mais ça passe drôlement vite, dis donc. À 1-0, ils sont bien défendus, hein. Mais bon, c'est bien. C'est pas mal quand même. Bon, mais moi, il faut que j'y aille, sinon ma femme, elle va me tuer, moi. Ouais, mais c'est ma mère qui va me tuer. Ouais, bah écoute. Eh, on a quand même passé une bonne soirée. Ah, vraiment super. En plus, c'est vrai que ça fait du bien de te voir en dehors du boulot. Enfin, allez, putain. Moi, j'ai pas compris le coup du maillot du Brésil. Mais c'est pourtant clair. Enfin, tu sais, nous, ce qu'on aime, c'est d'abord le spectacle avant tout. D'accord. Bon, bah, on se remet ça comme vous voulez. Hein. Chez nous, le foot, c'est une vraie religion. Ah, ciao, ciao. Salut, les gars. C'est fou, ça. Quoi? Et les préjugés qu'on a. J'étais persuadé que les homos n'aimaient pas le foot. Ah bon? Parce que les deux, là, ils sont... Oh, excuse-moi. Bon. Annabelle? Serge, salut, hein, à la prochaine. Oui, salut. J'allais t'appeler, je te jure. Dis, justement, Annabelle, t'es sûr qu'on peut pas se voir, là? J'ai des délires devant moi. Ma mère pense que je suis encore chez les homos. Ça fait une heure que je suis passé dans l'ascenseur, vous pouvez m'aider? Vous voyez pas que je suis au téléphone, non? Allez, Annabelle, s'il te plaît, allez, une demi-heure, sur rien. Allez, à tout de suite, hein. On exagère quand même. On est resté au lit toute la journée. Chloé? Mmh? Je veux que tu saches que j'ai été crétin, immature, puéril, cruel, monstrueux, insensible. Enfin, tu m'arrêtes hein, si ça te paraît suffisant. Ouais, non, c'est bon, tu peux continuer. Hein. Non, ce que je veux te dire, c'est que je t'aime. Ça me paraît clair. Alors on peut se marier? Ouais, bien sûr, on peut se marier, ça. Si tout est tellement clair. C'est génial, non? Oui, se marier pour toute la vie, enchaîner l'un à l'autre, se voir tous les jours, se lever ensemble, se coucher ensemble. C'est beau, le mariage, hein. Mais pourquoi tu m'obliges à faire ça? C'est la honte. Oui, je sais, Rémi, mais il faut le faire. Mais pourquoi? Ah, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Écoute, Patrice, on a entendu ce que tu as dit à Serge en sortant de chez nous. On est venu te dire qu'on n'est pas homo, c'est un malentendu. Oui, d'accord. Ah, mais non, vous n'êtes pas homo, non, vous êtes simplement deux hommes qui s'aiment.
Ben ouais, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas obligé de le savoir, tu comprends? Je comprends, oui. Non, mais vous inquiétez pas. Bon, ben, salut. Hé, la prochaine fois, c'est moi qui vous amène au stade. D'accord. Tu vois, je me sens plus soulagé. Oui, alors là, je suis très fier de toi. Ah, tu commences à sortir du placard. Enfin, t'as déjà sorti un pied. La prochaine fois que tu veux sortir un truc plus intéressant, préviens-moi. C'est ça, moque-toi. Si tu crois que c'est facile pour moi. Bon, allez, viens. Ce soir, il y a foot. Ah non, me dis pas que t'aimes le foot maintenant. Mais non, mais le foot, j'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est boire de la bière et roter. Tu vas le planter, ce but. Rien. Touche au chapitre. Hey, oh. Salut. Je suis prisonnier. Norbert. Norbert, je vous ai fait couler un bain. Mais un bain, c'est pas vrai, non? Mais on nage en plein délire, là. Avec 18 essentiels. Maryse, vous pouvez pas lui dire de me lâcher un peu, non? Mais non, elle vous lâchera pas. Alors allez-y, hein, s'il vous plaît. Oh non. Donnez-moi vos affaires, je vais faire une machine. Qu'est-ce que je vous disais? Dans 2 minutes, j'ai droit à la totote, au talc et à la couche-culotte. Oui, il est pas là, hein? Oh, oh, mais il est parti. Il est parti. Quoi de Dieu? Faites-moi sortir de là! Courage, camarade! Toi aussi, un jour, tu briseras des chaînes! Qu'est-ce que... Vous allez où, vous? Hein? Ah ben, il y a urgence, hein. Je m'en vais. Je veux retrouver mon trottoir, mes copains, mes cartons. Ben, vous êtes difficile, enfin, Valentine s'occupe bien de vous. Ah oui, mais moi, justement, je veux pas qu'on s'occupe de moi. Écoute-moi bien, Laura. Mon seul luxe, c'est la liberté. Et ça, ça n'a pas de prix. Salut, bonhomme. Oh, c'est vrai, ça, bonhomme. Monsieur Costa, c'est peut-être lui qui a raison. La liberté, ça n'a pas de prix. Ça, vous savez quoi? On devrait tous se barrer là et faire un grand voyage. Mmh. Tiens, pourquoi on partirait pas en Inde? Mmh. À vélo? Ouais, mais non, parce que toi t'as les poubelles à sortir, puis moi je dois aller travailler au collège. Ah, c'est pas très positif comme façon de penser, bonhomme. La vie est belle, merde. Hein? Eh merde. Ouais, je vais sortir les poubelles, moi. Vous en avez pour longtemps? Ah ben, il manque la pièce. Je reviendrai la semaine prochaine. Vous faites une blague, là? Ah, jamais pendant le service. Attendez, ça fait 2 jours que je suis coincé dans cet ascenseur. Ouais, c'est pas marqué GIGN ici, hein. Et monsieur, mais non, mais partez pas. Ils sont tous dans ce meuble. Je suis prisonnier. Je suis innocent. Et ma voiture? Jetez au moins un oeil à ma voiture. Monsieur! Il y a quelqu'un!